Bravo Jean! Aujourd'hui, c'est jour de fête. Jean est invité chez les voisins à un bal costumé. Il veut avoir le plus beau déguisement. Déjà, de drôles de silhouettes se dessinent derrière les rideaux. Mais qui sont ces créatures Les premiers invités sont sur la terrasse. Le loup a le dos tout poilu. Il a de grandes oreilles. Il ouvre grand sa gueule. Le sillou a de longues plumes. Il a des peintures sur le visage. Il porte des vêtements à franges. La princesse a une couronne dorée. Elle a un collier de perles. Elle porte une robe en dentelle. Je vais me déguiser en lapin pour faire la course avec le loup. Ou plutôt en cowboy pour faire la guerre aux Sioux. Ou encore en chevalier pour que la princesse me fasse un bisou. Jean hésite longtemps, il finit par se décider. Finalement, je vais me déguiser en clown. J'aurai une salopette et de grandes chaussures rondes J'aurai le nez tout rouge et je ferai rire tout le monde Et là le magasin de déguisement est fermé. Jean a trop tardé à se décider. Il est tout triste maintenant. Il n'ira plus au bal. Non, c'est trop bête. Je vais trouver un déguisement. Mais en quoi va-t-il se déguiser Il n'a rien à la maison. Finalement, Jean a trouvé une idée. Il demande un vieux drap blanc à sa maman. Il emprunte la lampe de poche de son papa. Il court vite rejoindre ses amis. Houhou Au secours Au fantôme Tous les invités sont effrayés. Revenez, revenez, c'est moi, Jean. Ha ha ha. On a bien rigolé. Bravo, Jean, tu as le plus beau déguisement.